surprenant. C'est fou hein, que derrière il ne puisse pas. Ça va amener faire c'est une tout question que... de maturité. Tant mieux, tant mieux. Gomis, la frappe. Oui, c'est le but. Oh, super but de Mathieu Gomis. Oh, magnifique. Première sélection et premier but pour le joueur de Saint-Étienne. Quelle frappe extraordinaire et quel souvenir. Merveilleux. Ouais. En deuxième mi-temps. Oh, quelle est belle! Et sur ce coup-là, Mbappé Gomis, que l'on a trouvé très souvent, hein, je pense que dans le premier quart d'heure de cette rencontre, je ne sais même plus à quelle minute, Ratem Benarfa, le contrôle, plus de vivacité, et c'est Castro, je crois, qui contre très légèrement en se retournant. Pleine lucarne. Et Mbappé Gomis qui doit bien embarrasser les neurones du sélectionneur avec ce but-là. Ça, oui. Ça ressemble à un ticket pour l'Euro. Peut-être, enfin, on ne sait pas, mais... Et Nasri va peut-être frapper. Il cherche Anelka, le trouve. Un crochet. Ah, voilà, Mbappé Gomis. La doublée de Mbappé Gomis. C'est bien joué. Elle, quelle est belle. La passe de Nicolas Anelka et Raymond Domenech qui applaudit. Et il avait terminé son championnat. Mais c'est bon. Quel compte de fait. Ouais. Quel compte de fait pour Mbappé Gomis. Il a pris le billet pour Berne. Là, écoutez, parce que souvenez-vous l'annonce dans Téléfoot. Raymond Domenech qui nous dit écoutez, je vais emmener 30 joueurs et pas 29. Et dans ces 30, il y a Mbappé Gomis. Et Mbappé Gomis rentre ce soir. Et met deux buts somptueux. Une frappe de 25 mètres et une reprise de volée du droit. Parce que la reprise de volée, avant même que le ballon quasiment ne soit parti du pied de Nicolas Anelka, il est déjà prêt. Il a jugé la trajectoire. Il s'est orienté. Il a pris appui sur son pied gauche. Enfin, on va le revoir ce